Du coup, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Live, là maintenant on est sur Minecraft. Après Civ 4 qui avait quelque peu pas marché. Alors, là on est sur du coup le Minecraft de Dave Shake. D'histoire brève. C'est son serveur Minecraft. Donc, il a d'ailleurs sa maison pas très loin d'ici. Et vu que c'est le jour où je vais sortir et visiter un peu, petite visite, vous faire des visites du... Voilà, et peut-être du coup si ça marche, peut-être que j'essaierai même d'être en Discord, en discussion de vocal Discord avec des gens s'ils veulent bien et que si la connexion tient le coup. Ce qui n'est pas gagné, c'est pas gagné non plus ça. Voilà, donc là c'est une maison que je construis dehors. Pour l'instant, j'ai des vitres, vous voyez, quelques vitres. Je sais pas trop ce que je dois faire, je vais sûrement rajouter un étage au-dessus. Voilà, mais c'est juste pour étendre un peu les lieux et avoir la maison que j'ai construite moi-même. Ici, les mines, oui, on va peut-être descendre. Attends, il y a un escalier ici pour descendre dans les mines, je crois, ouais. Que j'ai eu de tomber. On va éviter de sauter, de mourir, comme parce que là, ça serait la mort assurée. Hey, je suis con. Donc là, il y a les mines. On va descendre, on va les miner un peu. J'aime beaucoup miner, j'aime me prendre pour un mineur, un nain des montagnes. Là, il y a des réseaux de galeries. On va descendre plus bas, dans les profondeurs de la Moria. Où la cupidité des nains les a amenés à creuser bien plus profond qu'ils n'auraient dû et tomber sur le Balrog. Mais non, il n'y a pas de Balrog. Un mode avec des... Il y a sûrement existé, il y a plein de modes Minecraft. Donc un mode où tu peux trouver des monstres dans les souterrains, terribles, enfin des monstres type Balrog. Ça doit exister. C'est peut-être marrant à voir. Hop là, moi je descends. Je fais attention, je descends pas vite parce que j'ai pas envie de chuter. Enfin là c'est bon, je suis presque au sol donc c'est moins grave. Bon là ça a été creusé par contre au niveau de la bedrock, c'est-à-dire le fond, le truc qu'on peut pas creuser. Alors techniquement il vaut mieux creuser un niveau au-dessus parce qu'en fait parce que quand tu creuses un couloir tu vois en fait tu vois la case au-dessus de toi, la case sur les deux cases sur le côté et la case au-dessus. Enfin là tu l'as creusé sur trois cases. Donc là tu vois tout ça. Sauf que là quand tu as une case, tu es au niveau le plus bas, tu as des cases de bedrock. Sauf qu'il y a des cases de bedrock. C'est jamais des cases de ressources. Donc en fait, c'est des cases gâchées dans l'exploration. Donc l'idéal le plus optimisé, c'est de creuser un niveau au-dessus. Genre là, on monte d'un ici, d'un ici, d'un ici. Et là, comme ça, c'est optimisé parce que tu es sûr que toutes les cases que tu vois autour de toi, c'est des cases où il peut avoir des ressources. Donc voilà, on creuse en faisant attention. Oui, j'ai les torches, c'est bon. Et on va faire attention à ne pas tomber dans de la lave et ne pas encore mourir bêtement devant vous. Mais ça m'arrive souvent de mourir bêtement parce que je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un gamer professionnel, loin de là. Je suis très amateur comme gamer. Au final, ouais, Minecraft a l'air de mieux marcher que Civilization, ce qui est dommage parce que Civilization 4, il y avait plus de choses à faire en rapport avec l'histoire. Là, Minecraft, à part des discussions, après oui, on peut faire discussion, mais le truc c'est quand même j'ai pas le... Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à avoir le chat en même temps, quoi. C'est ça le souci. Il faut que j'arrive à améliorer mon setup. Il faut que j'arrive à améliorer mon setup pour avoir vraiment le chat en même temps et pouvoir vous répondre. Et pas être obligé de devoir à chaque fois faire ça. Parce que c'est pas du tout pratique. C'est pas du tout la praticité. Faudrait que je trouve une solution. Faudrait que je trouve une solution, mais... Mais voilà, en tout cas, oui, discussion, ça peut se faire. Après, oui, éventuellement, si je peux être en live avec d'autres gens, ça peut être l'occasion aussi de discuter d'histoire tout en jouant tranquille à Minecraft. Mais après, c'est vrai que c'est con de ma part d'aller juste miner, en fait, c'est pas intéressant pour vous, surtout d'avoir attendu le jour pour faire ça, quoi. J'aurais pu le faire de nuit. Malheureusement, ça s'accade beaucoup. Ouais, ça s'accade beaucoup, la connexion, elle doit avoir un peu de mal. Par contre, Minecraft, lui, c'est fluide. Mais par contre, ouais, par contre, ce que j'espère, c'est ouais, c'est que l'enregistrement, par contre, lui, sera moins saccadé. Si l'enregistrement est moins saccadé, ça va, je pourrais toujours utiliser la rediff. Mais c'est vrai que c'est chiant pour les gens qui sont en live. Mais ça, ça, c'est ma connexion qui est pas top encore. Et puis l'ordi qui est pas top. Ouais. De toute façon. Faudrait que j'investisse dans un meilleur ordi ou un deuxième écran, enfin dans tout un setup pour pouvoir streamer. Mais pour l'instant, c'est, enfin, je fais ça pour m'amuser.
C'est plus en loisir quoi à côté. Donc pour l'instant, je vois pas trop investir des sommes énormes dedans. Surtout que voilà, je suis un étudiant, j'ai pas des sommes énormes à investir dedans. Mais voilà. Donc je vais essayer de visiter un peu. D'ailleurs, si Philippe Poutou veut se connecter et me faire visiter ce qu'il a construit lui, si ça ne le dérange pas. Parce que ça m'embête un peu de rentrer genre chez les gens, par exemple, pour faire visiter quand ils sont pas là et qu'ils sont pas d'accord. Genre par exemple, là c'est à qui ici? Ah, l'ambassade l'une des unions, conseil communiste. Ah bah ça par contre je suis à l'UCC, donc je considère que c'est mon ambassade en partie, donc j'ai le droit de rentrer. Parce que du coup je fais partie de l'union des conseils communistes. Grande table d'ambassade. Deuxième grande table d'ambassade. Grand bâtiment, c'est joli. De quoi faire de jolies réceptions. Ils vont peut-être juste un petit bar pour les réceptions. Pour servir la vodka. La vodka, c'est important. Donc il y a de la lumière là-haut. Mais c'est une grande jolie salle. Mais ouais, pas grand-chose à voir dedans de plus. Voilà. Par contre, je crois que il était déjà. Je crois qu'il est nouveau ce bâtiment. Après, ça fait pendant que je joue, donc peut-être que je l'ai raté ce bâtiment. Mais et puis il y a le grand drapeau, les grandes vitres. Monter à hauteur un peu pour avoir un peu plus de vue sur ce qu'il y a dans les alentours. Et je surveille en même temps aussi ce qu'on dit sur la diffusion. On dit que ça va mieux pour l'instant. Hop. Après, c'est vrai que je veux pas. Nien, de la terre partout. Laissez-moi monter en escalier. Alors, oula, il y a un grand truc là-bas, j'ai cru voir. J'ai cru voir un truc là-bas. Attends, là, il y a. Non, ça va, c'est rien. Je croyais qu'il y avait un trou. C'est rien. Alors, là, il y a. Ah, parce qu'il y a des îles volantes. Il y a des îles volantes. Il y a des îles volantes. Est-ce que je peux y. Wow, ça a l'air. Je vais faire un tour. Oula! Oula! J'ai failli me suicider. On va redescendre, pas par là. On va redescendre. Surtout qu'il n'y avait pas de l'eau dessous. Enfin, il y avait de l'eau, mais pas tout de suite, je crois. Donc là, je pense que je serai mort comme un caca. Et voilà, on va descendre. On va descendre. Parce que là. Ouais, non, mais là, parce que là, c'était. Ouais, là, j'étais mort. Là, pouf. Non, mais là, c'est hyper dangereux de faire ça. Non, moi, je sécurise. Moi, je dis, il faut sécuriser le lieu. Donc, on va. Non, non, tu vas pas te. Voilà. On va faire en sorte qu'il y ait de l'eau. Comme ça, si tu tombes, parce que t'as pas vu que, comme un con, il y avait un trou. Et eh bien, tu tombes dans l'eau et t'évites de mourir. Comme une merde. Voilà. À un moment donné, moi, Florian, je travaille pour le service sécurité de la mairie de Saint-Pétersbourg. Et à un moment donné, voilà, c'est pas aux normes. Tout ça, c'est vraiment pas aux normes. Et je vais me plaindre. Ah, du coup, Philippe Poutou s'est connecté, du coup. Du coup, je sais pas si tu me vois en même temps. Si tu me vois en même temps et que du coup t'es, tu sais où je suis, tu peux me rejoindre. Et oui, nous streamons aujourd'hui avec Philippe Poutou. Mais non, ce n'est pas le vrai Philippe Poutou. Voilà, bon, en tout cas, j'ai sécurisé un peu le. Merde, non, la nuit arrive, la nuit arrive, la nuit arrive. Ah, merci. Merci d'avoir passé la nuit, parce que là, je serai sûrement encore mort comme une merde. Voilà, en tout cas, l'endroit est un peu sécurisé. C'est peut-être.
Oui, mais il y a toujours un décalage, oui, forcément, il y a toujours un décalage entre le stream et la réalité. Il y a toujours un petit décalage, et ça, plus les suites de connexion qui aggravent le décalage. Voilà, mais en tout cas, comme tu peux le voir, je suis en train de sécuriser cette falaise qui n'est absolument pas aux normes européennes. Comme dira Asselineau, là, l'article 8, alinéa 2, dit qu'il faut sécuriser ça. Là, je serais curieux d'aller voir le à l'ambassade. Ok, ben j'arrive du coup, je reviens à l'ambassade. Voilà. Du coup, on va retourner à l'ambassade et puis il y a du coup le responsable de l'UCC, le créateur, qui va nous faire visiter. Non, du coup, il faut que je remonte cette falaise. Faut que j'arrive à remonter la falaise. Voilà, du coup, j'arrive, hein, j'arrive. C'est juste le temps que je. Merde. Bah, je suis con, j'ai de la terre, hein, je peux. Mais oui, je suis bête. Pourquoi je m'embête? Pourquoi je m'embête? Alors que je peux juste faire ça, en fait. Alors que je peux juste faire ça. Et ah, voilà. Du coup, l'ambassade. L'ambassade, l'ambassade. Je crois que j'ai vu Philippe Poutou. Allez, voilà. Salut! Salut Philippe! Hop. Du coup, je te suis. Ne t'incline pas devant moi. Je ne veux pas que Philippe s'incline devant moi. Je lui écris parce que du coup il verra sûrement le message plus vite que l'audio du stream. D'accord. Et du coup je me TP à quelles coordonnées et comment on se TP parce que je. C'est pas la TP sur d'habitude. Parce que moi je joue sans cheat. Ah voilà, ok, d'accord. Slash TPA Philippe Poutou. Ok, voilà. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? Ah si, ça a marché, je crois. Ouh! Ah ouais, là d'un coup, c'est d'un coup bien plus construit. Ah, c'est magnifique! Il y a plein de trucs par quoi commencer. Je veux bien essayer. Alors du coup, on va essayer d'avoir le vocal Discord. Donc on va se connecter. Là, vous voyez mon Discord. Connexion. Je me connecte au vocal. Voilà. Là, normalement, je suis connecté aussi au vocal, enfin, en espérant que ça marche d'être à la fois en vocal Discord et en enregistrement pour le stream. Enfin, j'espère que ça marche parce que ce serait pratique pour la partie de samedi soir. Enfin, c'est l'occasion de tester du coup.